Après une victoire, une qualification, ça va mieux, mais il faut retenir, je crois, la bonne tenue des deux équipes. On a assisté à un très bon match de très bon niveau dans ces catégories-là. Maintenant, ça nous ouvre la porte pour les quarts de finale à Concarneau. On connaît nos adversaires, on va s'y préparer comme on le fait depuis un moment. Mais bon, je suis très heureux pour l'ensemble du club et ceux qui sont autour de ce club. Voilà, donc c'est bien. L'objectif principal, c'est de bien former ces jeunes pour qu'ils aillent le plus haut niveau possible par rapport à leur potentiel individuel. Et après, bien évidemment, chaque année, on essaie d'aller plus loin comme toutes les équipes. Rennes est venu avec les internationaux pour essayer aussi de faire ce qu'il fallait. Ça nous a réussi. Mais bien évidemment qu'on essaie d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions. On y est encore, on est en course. Et bah, écoutez, on va faire le maximum jusqu'au bout. J'étais pas très inquiet. Je sentais les joueurs concentrés depuis quelques temps. Envie de faire quelque chose. Maintenant, effectivement, rien avec leurs internationaux, effectivement, c'est toujours un bonus pour nous, mais ce n'était pas ma priorité. La priorité pour nous, c'était surtout de faire un bon match et d'avoir le qualif.